Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour les bitcoins? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour, qui est plutôt mitigée, mais il y a un peu plus de rouge, comme vous pouvez voir ici, que de vert. Quoi qu'il en soit, on a quand même quelques altcoins qui s'en sortent plutôt bien, notamment Knot, hein, qui est un nouveau altcoin qu'on a pu bénéficier avec le launch pool de Binance. On a Jasmine qui fait un 23%, oui, donc j'ai oublié Note 27%. AR, joli 9%. Et Ordi, hein, qu'on va voir aujourd'hui, un joli 16,8%. Le portefeuille de la chaîne, il n'a pas trop bougé. Il est aux alentours de 28 000 dollars. Et les grands gagnants du jour, ce sont Note et Ordi, justement, Ordi qu'on va voir aujourd'hui. Les gagnants de la semaine, on a Note, on a Boonsbit et Ordi. Donc Boonsbit, c'était le dernier, le premier du coup, le premier et le dernier pour l'instant, méga airdrop également sur Binance, hein, grâce au stacking de vos BNB. Il y a un nouveau aujourd'hui qui est sorti aujourd'hui, un nouveau, alors vous avez je crois quelques semaines pour participer sur Binance, je crois que c'est Lista le projet. Donc bah, si vous avez des BNB stackés et bloqués, bien entendu, c'est important pour les launch pools, il n'y a pas besoin, il suffit juste que ce soit stacké. Pour les méga airdrops, il faut qu'ils soient du stacking bloqué. Et ne pas oublier de participer à la petite quête qui vous est demandée pour multiplier par 1,5 vos points. La petite quête, c'est juste, ça prend 5 minutes, c'est de stacker 0,01 BNB. Voilà, sur le protocole. Et comme ça, vous pouvez participer au prochain méga airdrop. Hein, vous voyez, donc pour l'instant, celui-là, il nous a rapporté 100 dollars, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va commencer rapidement par Ethereum, il n'y a pas grand de changement, vous voyez, on est une sorte de consolidation, on pourrait dire que c'est un range. Quoi qu'il en soit, on a une nouvelle trendline baissière qui s'est dessinée, on avait la petite trendline ici qu'on a cassée, on était venu, on a le niveau important là, hein, c'est un peu la médiane de ce range, on va dire, on a le niveau important qu'on a cassé, et puis voilà, on est venu faire un premier pullback, là un deuxième pullback, on est pile poil sous la trendline et ce gros niveau important, donc bah, si on arrive à récupérer ces deux niveaux, à passer au-dessus des 3800 dollars, c'est plutôt bon signe. Au contraire, si on en est rejeté, bah, il faudra s'entendre à une nouvelle tendance baissière, enfin une nouvelle jambe baissière. Pareil sur le RSI, vous voyez qu'on a la moyenne mobile du RSI qu'on a cassé ici, hein, sur cette grosse bougie rouge, et puis depuis on est en dessous, et là on essaye de la récupérer. Donc voilà, ça peut être une petite confirmation supplémentaire si on passe ce niveau, et qu'on passe ce niveau, eh bien on pourrait dans un premier temps aller rejoindre à une nouvelle fois les 3000, je crois que c'est 900 dollars. Ça ferait en quelque sorte quasiment un triple top. Attention, si on y arrive, hein, pourrait y avoir une sorte de phase de distribution. Donc, on aurait toujours donc, cette résistance horizontale. On aurait, voilà, vous voyez que c'est la zone, la grosse zone rectangle rouge, c'est notre zone de rechargement de short. Donc, le haut de la zone de rechargement de short. Et également, on viendrait taper, hein, si on y va tranquillement comme ça, eh bien, la trendline, encore un pullback, hein, sous cette trendline. Donc, ça ferait une triple résistance. Donc, attention, donc, si on passe là, direction probablement ici, et ici il faut être extrêmement prudent, attention petit fake out pour réintégrer, ce sera extrêmement bearish, mais par contre si on arrive à passer et à se maintenir au-dessus, eh bien on aura probablement, fort probablement même, une nouvelle jambe haussière pour aller dépasser les 4000 dollars. Le Bitcoin c'est un peu le même histoire, donc on est venu faire un rejet ici, après ce rebond ici, hein, sur la trendline, hein, je vous rappelle c'est une trendline qui est parti en décembre 2023, hein, qui était touché là, ici, 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 puis elle a fait support ici, 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 puis résistance, résistance, et puis là, de nouveau, support, support, et encore une fois, support, à chaque fois, c'est bon niveau d'achat. On est venu la tester, là, on s'est fait rejeter dernièrement, il y a quelques jours, par ce petit niveau intéressant de support, résistance. Alors, regardez, en daily, hein, on n'a pas confirmé, hein, je vous avais dit, attention, si on confirme la clôture sous cette trendline, il y a risque de aller beaucoup plus bas, et au contraire si on a un fake out, eh bien c'est plutôt bullish. Attention, là on a fait une clôture, là c'est la bougie de confirmation, donc si on réintègre tout d'ici la clôture de ce soir et qu'on termine dans le rouge, surtout plus bas que ces niveaux là, eh bien cette direction on l'a vu probablement aux alentours des 65 000 dollars dans un premier temps où il y a un gros niveau de support. Si par contre on clôture au dessus et puis que demain on a une bougie de validation et puis qu'on regagne ce niveau, c'est à dire les 68 000, allez, on va en dire aux 69 000 dollars, et bien au contraire c'est possibilité de continuation haussière, hein. Bien évidemment on devra s'affranchir de ce niveau de résistance, les 70 également au passage. Voilà, donc il n'y a pas grand changement, hein, du côté de Bitcoin. On va aller voir rapidement
Du côté du plan Elliott Wave, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vous rappelle quand même que si vous voulez comprendre ce que je raconte quand je parle d'héliotisme, vous allez voir absolument ce tuto. C'est un tuto très simple. Ça vous permet de comprendre mes analyses quand on passe à la partie vague d'Elliott, mais également celle des autres youtubeurs ou des autres analystes sur une autre plateforme qui vous parlent d'héliotisme. Voilà. Puis vous avez tout un tas d'autres vidéos très intéressantes à voir. Ici, c'est en lien sous chaque vidéo. Et voilà, et pour soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui se trouvent ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir sur les cryptos. Ça vous donne à chaque fois un bonus et à moi également. Et si vous voulez vous diversifier, je ne rappellerai jamais l'importance de se diversifier sur les marchés traditionnels. Pour moi, Trader Republic, c'est une des meilleures plateformes pour investir et c'est uniquement pour investir, pas pour trader pour les débutants. Donc, revenons-en à notre plan. Et le wave. Donc ça c'est le plan principal, hein. On a vu dans la dernière vidéo le plan un plan alternatif. Là on revient sur le plan principal. Donc le plan principal dit qu'on a trouvé un bottom ici pour, alors je vais dézoomer, hop, au cas où il y a des nouveaux sur la chaîne, un bull market, donc une tendance haussière se fait en héliotisme en 5 vagues impulsives. C'est les grosses vagues jaunes qu'il y a ici, 1, 2, 3, 4, 5. On a déjà fait une grande 2 ici, on est dans une 3. Et ensuite, chaque vague doit aussi se décompter en 5 sous-vagues. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, la vague 4. C'est pour ça que nous, on a racheté ici sur l'objectif de la vague 4, qui est également en confluence avec le graphique et les indicateurs au niveau des 57 000 dollars. Et du coup, on s'attend à construire cette vague 5 bleue pour terminer cette 3 avant d'avoir une grosse correction. Enfin, du moins, elle va durer assez longtemps par rapport à celle-ci. Elle ne sera pas forcément très profonde. Et ensuite, une dernière vague 5 pour terminer le bull run. Quoi qu'il en soit, si on est bien dans ce plan-là, techniquement, alors on va repasser en 4 heures, eh bien, on doit de nouveau, hein, avoir 5 sous-vagues, hein, pour construire cette vague bleue. Donc, on a fait une première vague 1, une vague 2. Il y avait un point intéressant d'achat ici. C'est pour ça qu'également, on est retourné à l'achat ici, dans ce petit rectangle. Et ensuite, on doit avoir une 3, une 4 et une 5. Voilà, alors le problème qui se pose, on pourrait être, par exemple, pourrait vous dire que bah, on est dans une 2, une 3, une 4, hop, une 4 qui s'est finie là, ou peut-être même là, et puis on va faire notre vague 5. Alors le problème, c'est que on n'a pas atteint les objectifs d'une vague 3. Vous savez que les objectifs d'une vague 3, dans la plupart du temps, ça atteint au moins les 1,618 de prolongation Fibonacci. Alors là, si on se met une prolongation, c'est-à-dire on met en bas de la 1, en haut de la 1, au bas de la 2, et vous voyez qu'on a atteint seulement les 1,236. Donc c'est très rare qu'une vague 3 n'atteigne pas les 1,618. Vous voyez que les 1,618 sont aux 74 000 dollars. Alors ça veut dire, ça laisse deux possibilités. Soit c'est enfin même trois. Soit c'est un cas rare et qu'on a une faible 3, ce qui n'est pas privilégié. Eh bien on n'est pas dans une impulsive. Tout simplement, et là c'est le plan alternatif que je vous montrais dans la dernière vidéo, ce qui veut dire que ça, 1, 2, 3, ce serait juste une vague corrective ABC qui corrigerait ce mouvement-là, et que en fait la correction débutée au mois de mars ne serait pas finie. On serait dans une correction en 3 temps, donc ABC, WXY, on s'en fout pour l'instant. On serait dans une A, une B et une C pour aller soit faire un double bottom ou soit même aller plus bas. Et donc ce serait normal qu'on ait 1, 2, 3 et que la vague 3 n'ait pas atteint ses objectifs, puisque ce n'est pas une vague 3 d'impulsion, c'est une vague 3 corrective. Et là, on serait tout simplement en train de démarrer cette vague C. Voilà. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la dernière possibilité, pour rester dans ce plan, bien entendu, c'est tout simplement 1, 2, bah, 3, bah, elle n'est pas finie. Hein. On serait dans des sous-vagues de cette vague 3. C'est-à-dire, on serait, voilà, on aurait fait une vague 1, une vague 2, et puis là, ce serait par exemple la vague 3, et puis là, on serait dans une vague 4. Alors, finie ici, ou alors finie, voilà, une vague 4, bref, je la mets là au milieu, et puis une vague 5. Et ça finirait notre 1, 2, 3. Ensuite, on aurait 4. Et puis ensuite 5 pour finir toutes ces petites vagues. Donc, bah, c'est le plan qu'on va privilégier aujourd'hui. Parce que on veut rester dans ce plan-là. Donc, si on a une vague 1, une vague 2, vous voyez que la vague 2 est très profonde. Hein, elle a quasiment retracé toute la vague 1. Donc, quand on a une vague 2 forte, on a une vague 4 faible. Malheureusement, pour l'instant, la vague 4. Bon, bah, elle n'est pas faible du tout vu qu'on est venu toucher les 0,5. Voilà, donc l'idéal, ce serait qu'on ait trouvé le bottom ici. Voilà. Parce que, bon, après, ça arrive qu'on ait des vagues 2
et 4 fortes, mais c'est encore rare, c'est pas privilégié. Quoi qu'il en soit, si on est dans ce plan-là, qu'on devait rechuter, bon, pourquoi pas aller faire un double bottom ici, ou alors aller chercher les 0,618, mais ça nous ferait une vague 4 très forte, encore une fois, c'est pas privilégié, mais en tout cas, on voit que c'est aux 65 000 $, c'est le niveau qu'on a vu dans les dernières vidéos, et si on casse ce niveau, bon, bah là, hein, voilà, on serait clairement pas dans ce plan-là, et on serait d'ailleurs probablement pas non plus dans le plan rare avec une 3 courte, puisque ce serait la même chose. Une, deux, et si on se met les targets de la 4, encore une fois, on est venu chercher les 0,38,2. Donc on va dire, vous voyez, 64 600, voilà, si on casse les 65 000, 64 600, non seulement on remange le sommet de la une, et voilà, la 4 serait vraiment très forte, ce ne serait pas à privilégier non plus. Donc grosso modo, si on casse les 65, 64 000, eh bien les probabilités qu'on soit du coup dans ce scénario-là, hein, donc dans nos scénarios principaux, et qu'on ait trouvé un bottom ici, du coup, eh ben, diminue fortement. Voilà. Tant qu'on tient les 64-65 000, ce reste le scénario à privilégier. Malheureusement, si on casse les 64-65 000, eh bien, ça perdra en probabilité et faudra se tourner un petit peu plus vers le scénario alternatif qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ça veut dire une A, une B et une C pour aller plus bas. Voilà, maintenant on va passer sur le premier altcoin du jour et très rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc c'est Ordi, rappelez-vous, nous on a pris l'Ordi ici au mois d'octobre après ce joli petit W, la cassure de ce gros niveau de résistance. Donc on l'a pris vers les 3-4 $. Maintenant là, on est peut-être en train de faire une grosse distribution. Vous voyez, un top, deux tops, trois tops. Hein, voilà, hein, en général, ça c'est équivaut à une distribution. Donc on a eu une grosse correction. Je vous avais filé un niveau. En plus, on avait, vous voyez, un flag qui n'est pas un bull flag, hein, parce qu'un bull flag, c'est comme ça. Donc, c'est juste un flag. On l'a cassé ici. Voilà. Donc, on est venu chercher le niveau que je vous avais donné. On le travaille, on le travaille, on le travaille. On est venu faire une petite clôture ici au début mai, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation. Au contraire, on a réintégré. Donc, c'est très bullish. C'est le moment pour faire des achats. 0,38, on a l'impression qu'on est en train de faire un rounding bottom. On recasse la borne haute de ce niveau. Donc, tout est bien, ça semble bullish et ça restera bullish tant qu'on ne clôture pas du coup eh bien, en dessous ce niveau, en dessous des 39 $. Si on clôture en weekly, hein, je parle en dessous des 39 $, eh bien, alors attends, on va aller voir en daily qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc en daily, on pourrait venir faire par exemple un pullback ici. Hein, ça peut être un niveau intéressant pour chercher des achats ou peut-être même un pullback ici. Mais voilà, si on clôture en dessous des 38-39 $, eh bien malheureusement, on risque d'aller chercher le support en dessous. C'est ce gros niveau-là ici. Vous voyez ici, on va peut-être, hop là, voilà, c'est le gros niveau là, vous voyez, qui a fait double résistance ici, qui a fait résistance ici, et qui pourrait faire support, du coup, c'est entre les 23 et les 27 $. Voilà, donc c'est aux alentours des 25 $, c'est la target si on venait à casser en weekly les 38 $. Voilà, mais pour l'instant, ça semble bullish, du moins jusqu'à preuve du contraire. Allez, RNDR, alors lui, il y a un peu plus de choses à dire, alors on va faire une petite rétrospective. Donc cet altcoin, il a été lancé en 2021 vers la fin du bull run. Il s'est pris la correction de l'été, hein, du mois de juin, après son lancement. Il a suivi le Bitcoin et toutes les autres altcoins. Et puis après la deuxième vague, hein, quand le Bitcoin il est venu faire un double top, hein, jusqu'au mois de novembre, lui, il en a profité pour pas mal pumper vu qu'il était récent. Et depuis, ben, bear market. Et puis il a fait une belle période d'accumulation ici. Donc on est revenu tester ce niveau-là, donc c'était forcément un très bon niveau d'achat. Et puis ouais, vous avez eu quand même du mois de juin 2022 au mois de janvier 2023, donc quand même au moins 6 mois pour acheter aux alentours des 40, allez, on va dire aux alentours des 50 centimes. Ceux qui ont loupé ça, hein, en plus vous voyez, il y avait des jolis hop, clôture au-dessus ici, c'était bon moment. Ceux qui ont loupé ça, il y avait une session de rattrapage ici, parce que vous voyez qu'il y avait un niveau 2. Ici, support important qui est devenu résistance ici, résistance ici, résistance ici, avec un gros rejet. Une fois qu'on l'a cassé, on pouvait bien entendu acheter à la cassure ou sur ce magnifique pullback, donc aux alentours des 93 centimes. Allez, on va arrondir à 1 $, comme ça nous fait 50 centimes, 1 $. Et puis le dernier moment pour acheter intéressant, c'était ici, pareil, vous voyez qu'il y avait un niveau de support qui a été retravaillé en résistance, 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 et puis on casse, hein. Donc c'est environ les deux, entre les 2 $ et les 2,8 $. Donc c'est un bon moment pour acheter également. Et puis depuis, on a décollé, et puis on est parti chercher les 14 $. On a cassé le dernier sommet qui était aux 8 $ et quelques.
On a les clôtures ici, donc niveau important, vous voyez, triple clôture de bougie aux alentours des 6,9, allez, on va en dire aux 7 $. Niveau, vous voyez qu'on est venu retester ici et ici, même 3 fois, ici, ici et ici. Donc, allez, c'était encore intéressant un petit peu d'acheter ici, on va dire. C'était le dernier niveau pour acheter. Et maintenant, on a redécollé un peu. Donc voilà, là, c'est plus du tout le moment d'acheter. Pourquoi? Bah parce que on est en découverte de prix. On est au-dessus, on a eu notre pullback, donc soit ça va décoller, soit ça va revenir, alors peut-être que ça tiendra à nouveau, ou on va casser et on va aller plus bas. Si on devait casser, aller plus bas, il y a un petit niveau intermédiaire, vous voyez ici, on va dire entre ici et ici, hein, je vais vous mettre un petit rectangle. Allez, hop, vous voyez, ce niveau-là, on va le mettre en blanc. Et un petit niveau, vous voyez, qui fait support, résistance, ici, hop, voilà. Donc, un petit niveau compris entre les 3,6 et les 5 $. On pourrait venir tester ce niveau intermédiaire. Donc, ça peut être un niveau intéressant pour chercher des achats. Ou alors, revenir tester ce niveau qu'on n'a pas testé. Hein. Vous voyez que là, il faisait support, puis résistance, 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 résistance. On l'a cassé, on n'est pas venu faire le pullback dessus. On est parti directement à la hausse. Donc, si on devait avoir vraiment une très grosse correction, ce niveau-là serait vraiment un niveau excellent d'achat. Entre les 2 $ et les entre les 2 et 3 $. Voilà, c'est un niveau qu'on n'est pas venu retester. On pourrait venir le retester, comme on pourrait ne pas revenir le tester également. Alors là, c'est le bon moment pour quoi faire. Eh bien, je vous dirais, si vous l'avez acheté à 50 centimes, vous êtes à x20. Si vous l'avez acheté à 1 $, vous êtes à x10. Si vous l'achetez à 2 $, vous êtes déjà à x5. Donc, c'est forcément pas une bonne période pour acheter, tout simplement parce que les gens ils sont à x20, x10, à x5. C'est une période de prise de profit. Hein. On est en découverte de prix, on a cassé le plus haut, donc c'est plutôt faut plutôt commencer à prendre des profits, je dirais, plutôt que à essayer d'acheter cet altcoin. Pourquoi? Parce que, effectivement, d'ici la fin du bull market, on pourrait continuer à monter, mais je pense qu'il y a des altcoins beaucoup plus intéressants qui sont beaucoup plus bas. Alors vous allez me dire, c'est pas parce qu'ils sont plus bas qu'ils vont faire ils ont un plus gros potentiel. Oui et non. En fait, comme je vous ai dit, la plupart des altcoins, il y a beaucoup d'altcoins, peut-être pas la plupart, mais il y a beaucoup d'altcoins qui ne vont pas faire des nouveaux sommets, mais ils sont tellement bas en ce moment que même si seulement ils atteignent leur zone de rechargement de short ou qu'ils viennent s'approcher de leur ancien sommet, eh ben ça donne plus de potentiel qu'un altcoin qui est déjà en découverte de prix et surtout qui est 27 au market cap. Forcément, voilà. C'est pas un altcoin qui va aller to the moon, il est déjà dans le top 30. Donc, certes, il peut encore faire, il peut atteindre des prix intéressants, mais je pense que voilà, il y a quand même un peu plus intéressant si vous n'êtes pas déjà dedans. Si vous êtes déjà dedans, c'est intéressant. Si vous avez acheté ici ou ici un x5, un x20 ou x10, c'est peut-être un bon moment pour prendre au moins un petit peu de profit. Et ensuite, eh bien, je vais vous donner par exemple des targets potentiels qui pourraient atteindre, tout simplement. Alors, vu qu'on n'a pas d'historique, on va prendre un retracement Fibonacci. Vous prenez le dernier plus haut et le plus bas. Et tout simplement, on va regarder en logarithmique et en non logarithmique pour donner plusieurs targets. Donc, vous pouvez voir que là, on est en logarithmique, je pense. Donc, on a atteint les 1,13. Vous voyez, il y a un gros rejet. C'est pas pour rien. Les gens, les gros portefeuilles, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Prise de profit sur les 1,13. Bon. Ensuite, on aura les 1,236 qui sont pratiquement aux 20 $, 19,76. Donc, chiffre rond psychologique, 1,236. Gros profit à prendre également. Donc, déjà, si vous n'avez toujours pas pris des profits, si on retourne ici, petite prise de profit. Petite prise de profit, 1,38,2 au 32 $, petite prise de profit, et dernière target, on va dire, raisonnable, qui est déjà très élevé, les 1,61,8, c'est extrêmement important, les 1,61,8, c'est les 73 $, gros profit également à prendre ici. Maintenant, on va prendre des profits, enfin, on va prendre des targets encore plus raisonnables, en enlevant le logarithmique. Donc, on peut voir qu'on est revenu chercher justement ces fameux 1,61,8. Voilà, donc 1,13 en logarithmique, 1,61,8 en non logarithmique. Grosse prise de profit, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, au-dessus des 1,61,8, donc déjà si on y revient, attention, prendre de profit si vous ne l'avez toujours pas fait, eh bien, on a les 2,61,8 qui sont aux alentours des 22 $. Donc, proche de la prochaine prise de profit qu'on a vue en logarithmique, qu'ils étaient à pratiquement 19-20 $. Donc, entre les 20 et 22 $, grosse prise de profit à faire. Et ensuite, bon bah, on prendra les targets qu'on a vues tout à l'heure, parce que là, les targets, elles sont beaucoup, beaucoup plus hautes. Ou alors, juste, elles ne sont pas affichées. Mais voilà, donc en tout cas, je pense que ce ne sera pas une mauvaise idée de prendre un profit important aux alentours des 20-22 $. Et après, ça dépendra en fait à quel moment on sera du bull market.
pour le pourcentage de profit. Mais alors, on va repasser en logarithmique. Mince. Hop, on va repasser en logarithmique. Donc, comme je disais, gros prise de profit entre les 20 et les 22. Et ensuite, je dirais que ici, hein, vers les 30, 32, 33, tout dépendra si on a l'impression qu'on est à la fin du bull market, donc gros profit. Si on voit qu'on a encore beaucoup de marge, donc profit classique. Et bien entendu, si on devait atteindre cette cible, surtout si on est vers la fin du bull market, c'est très grosse prise de profit. Et normalement, entre ici et ici, vous devez être sorti à 60 ou 80% de votre position. Voilà, sinon, on a vu qu'il est 27 au market cap, 33, 34 en termes de volume, donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Offre hors circulation, on a 72%, donc voilà, c'est plutôt correct. Et il est disponible sur tout un tas de plateformes, vu qu'on a 21 pages, et c'est également très bien, parce que ça veut dire qu'on a de la liquidité et qu'on n'aura pas de problème de ce côté-là. Voilà, sinon, rien de plus à dire. Bien évidemment, cet altcoin, il est extrêmement bullish par rapport à la majorité qui sont encore, il y en a beaucoup, ils sont dans ces zones-là, hein, aux alentours des 0,38,2. Donc lui, il a déjà fait des nouveaux plus hauts, mais c'est justement pour ça que il est intéressant si vous êtes déjà dedans. Il est intéressant si on devait faire un gros pullback vers ici ou sur les zones que je vous ai données un peu plus bas. Mais voilà, à l'heure actuelle des choses, malheureusement, entrer maintenant, c'est pas forcément une très bonne idée, même si, comme je vous l'ai montré, il peut y avoir encore pas mal de potentiel à la hausse. Et pour finir, c'est pas une crypto, c'est Renault, hein. Renault, normalement, vous connaissez, entreprise française de voitures. Alors, Renault, c'est très simple. Donc, vous voyez qu'on a eu une très grosse chute ici. C'est tout simplement, vous voyez, la crise de 2007-2008, hein, on a une très grosse chute, il a pris très cher Renault. Puis il est remonté, il est venu faire un double top, et puis il s'est pris également la crise de Covid en 2018-2020. Et depuis, il remonte, d'ailleurs, depuis quelques... Alors, on est en mensuel, hein, puisque ouais, on a pas mal d'historique, contrairement aux crypto, ça date de 95, donc on peut se mettre en mensuel. Depuis quelques mois, on est extrêmement bullish. Hein. On a fracassé ce niveau, qui est un niveau important, comme vous pouvez voir, tu vois, de résistance, support, support, résistance, support, hop, résistance, résistance. Donc, c'était un bon niveau pour prendre des achats, des 40, parce qu'on a validé, en quelque sorte, ce triangle ascendant. Vous voyez qu'on a une trend line ici, et avec cette ligne-là, ça nous forme un triangle ascendant. On a validé également ce W weekly. On a un W weekly ici. Donc, c'était un bon niveau pour prendre des achats. Maintenant, il ne faut surtout pas acheter maintenant. Pourquoi? Au contraire, c'est prise de profit. Parce qu'on arrive. Vous voyez qu'il y a un... Je ne sais pas si vous voyez bien. On a un gros carré rouge ici. Hein, parce qu'il y a mes deux lignes aussi de support résistance horizontale. C'est tout simplement la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ici, on a eu un double rejet. Un gros rejet ici, un gros rejet ici. Parce que non seulement c'était... résistance horizontale, mais également le bas de la zone de rechargement de short. Maintenant, quand on casse le bas de la zone de rechargement de short, l'objectif, c'est le haut de la zone de rechargement de short. On y arrive, là, on y est presque, à quelques dollars près. Donc, et encore une fois, on a le haut de la zone de rechargement de short cumulé à, vous voyez, que c'est une zone qu'on a travaillée en support. On l'a cassé, regardez, quand on l'a cassé, on a eu vraiment un décrochage. Puis là, quand on est revenu, eh bien, ça a fait une grosse résistance. On est revenu sur la ligne du bas. Vous voyez, c'est pas pour rien que ces deux niveaux sont importants. On l'a cassé, elle est venue faire support. On l'a cassé, résistance. Boum. Une fois qu'on a décroché, eh bien, ça nous a fait un gros décrochage. Pourquoi que ces deux niveaux sont vraiment extrêmement importants. Et puis là, on y revient. Donc forcément, c'est un gros niveau de résistance, double résistance. Donc, c'est le moment plutôt de prendre des profits. Voilà. Ou en tout cas, c'est pas le moment d'acheter. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on pourrait acheter si ça vous intéresse? Il faut casser ce niveau. Hein. Le top, ce serait une cassure et un pullback. Hein. Ou alors, on achète en agressif à la cassure. Mais si on réintègre et qu'on clôture en dessous, eh bien, on peut ressortir, par exemple. Hein. Voilà. Ou alors un pullback. Parce que regardez que ce niveau-là, justement, ce gros niveau, on l'a cassé. On n'a pas fait de pullback. Donc, on pourrait revenir faire un pullback sur le haut de ce triangle, le haut, le bas de la zone de rechargement de short, sur cette fameuse grosse ancienne résistance qui est maintenant de nouveau support. Et puis en plus, si jamais ça devait prendre un peu de temps, alors on pourrait très bien peut-être faire un petit fake out ici pour piéger les gens et puis repartir. Si ça devait faire un truc comme ça, là on aurait un niveau d'achat exceptionnel. Parce qu'on aurait vraiment un très gros niveau de support avec le bas de la zone de rechargement de short et ce niveau horizontal. Mais on aurait également le bas, la trend line. Voilà, hein, trend line qui dure quand même depuis 2020, avec point de contact ici, 4 points de contact ici, point de contact ici, point de contact ici. Donc, voilà, ce sera autour du mois de janvier 2025. Bon, quoi qu'il en soit, si on devait chuter et que ça devait aller
un peu plus vite, hein, ici ça reste un très bon niveau d'achat. Et d'ailleurs, on pourrait même faire, si c'est pas coordonné, bah faire une petite mèche, donc non seulement pour faire peur aux gens, pour casser ce niveau, et pour aller chercher la trendline, vous voyez, autour des 37-38$. Donc quoi qu'il en soit, si on vient entre les 40-38$, si on y revient, ce serait un excellent niveau d'achat. Ou alors, il faut attendre la cassure ici, voire un pullback. Par contre, si on commence à clôturer sous les 40$ en weekly, en mensuel, et puis surtout qu'on brise cette trendline, donc aux alentours des 37, voire même 38$, bon bah là, il faut s'attendre à une correction plus importante, et bah, ça sera plutôt bearish. Hein, voilà. Et il faudra attendre pour acheter eh bien, des confirmations de retournement de tendance, voire de récupérer ce niveau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Renault. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si c'est pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, foncez, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Je suis une petite chaîne, hein, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, chaque abonné en plus, moi, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, surtout que si vous voulez, j'analyse vos actifs préférés, que ce soit crypto ou autre. Et, ou alors un petit commentaire juste pour dire merci. Et puis un petit pouce bleu, voilà, je l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss !